Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite application ultra sympathique que peut-être vous connaissez. Cette application porte le nom de Autour. Autour va servir à quoi? Autour va vous servir à savoir ce qui se passe autour de vous. Car oui, lorsque vous êtes une personne en situation de canne blanche, c'est-à-dire une personne malvoyante ou une personne aveugle, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe autour de vous. Avec cette application, vous allez voir qu'elle est super excellente. Si déjà vous êtes un utilisateur de Autour, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette application, si vous l'avez déjà testée et comment vous l'utilisez, ça fera super plaisir. Et si vous êtes pas encore abonné à la chaîne Vision Hightech, alors ça se passe dessous. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis si vous connaissez des gens autour de vous qui ont besoin d'aide pour la navigation, qui ont besoin de savoir ce qui se passe autour d'eux. Ça peut être des personnes en situation de handicap visuel, tout autre handicap, peut-être même vous-même, parce que vous avez envie de savoir ce qui se passe autour de vous, peut-être vos grands-parents, les seniors qui ont perdu la vue en cours de vie, eh bien cette application peut être très utile pour cette catégorie de personnes. On va voir tout de suite donc l'application Autour qui n'est malheureusement compatible que sur iOS. Alors oui, de temps en temps je vous fais des vidéos sur Android qui ne sont pas compatibles à iOS. Cette fois-ci, iOS prend le devant. Donc c'est parti pour cette application, on va voir ensemble le tutoriel, on va faire un test ensemble en temps réel. Merci de vous abonner et c'est parti pour l'intro. Gas les amis, c'est parti. Voilà donc, voyons tout de suite autour ensemble comment ça va se passer autour de nous, cette application vraiment géniale qui va vous montrer qu'est-ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qu'il va y avoir devant vous, sur les côtés, derrière. C'est vraiment le top. Je compte sur vous les amis pour vous abonner. C'est important, ça fait monter la chaîne au niveau de YouTube. Likez la vidéo aussi puisque c'est ce qui fait aussi monter la chaîne et commentez-la. Car beaucoup de commentaires lors de ma dernière vidéo m'a vraiment fait plaisir et j'adore vous lire et vous répondre. Allez, c'est parti pour le petit tutoriel de Autour. Vous téléchargez Autour et on va tout de suite voir ensemble qu'est-ce que cette application peut nous apporter. C'est parti. Ok les amis, donc une fois que vous êtes allé donc sur l'App Store et que vous avez téléchargé l'application Autour, déjà, de par l'icône, on voit que c'est une application accessible aux personnes en situation de handicap visuel. Autour, vous le téléchargez A-U-T-O-U-R et on l'ouvre et on va écouter le tutoriel qui nous est proposé par l'application, les amis. C'est parti. Bienvenue dans Autour. Souvenez-vous que le menu est accessible en glissant un doigt vers le haut. Mode faisceau. Mode radar. Mode faisceau. Mode radar. Déjà, un grand merci à tous les développeurs de cette application Autour. Un grand chapeau, un grand pouce bleu à ces développeurs pour avoir développé cette application entièrement gratuite pour aider les personnes en situation de handicap visuel à circuler et savoir ce qui se passe autour d'eux. C'est parti. Tutoriel interactif. Ce tutoriel sera lu avec une voix plus grave que la normale, afin de la distinguer de celle des exemples qui seront donnés. Autour est un système mobile libre conçu pour donner aux utilisateurs aveugles une meilleure idée de leur environnement. Autour utilise la spatialisation audio pour donner à des sons une apparence de provenance des lieux qu'ils représentent autour de vous. Cela permet de sentir la direction et la distance d'un son. Afin que cet effet fonctionne, vous devrez utiliser des écouteurs. Pour votre sécurité, nous recommandons l'usage d'un casque d'écoute ouvert ou à conduction osseuse, ce qui n'entravera pas vos oreilles. Si vos écouteurs ne sont pas déjà connectés, s'il vous plaît faites-le maintenant. Touchez l'écran pour continuer. Notez qu'en dehors du tutoriel, Autour a besoin d'un bon signal GPS afin de connaître votre position, sans quoi il refusera de fonctionner. La qualité de la boussole peut aussi varier selon où vous êtes, pour diverses raisons. Par contre, dans ce tutoriel, nous allons faire semblant que vous êtes à une intersection d'une ville imaginaire. Commençons maintenant.
À tout moment sauf dans les menus, vous pouvez entendre de l'information sur votre position actuelle, la précision des senseurs, ainsi qu'un sommaire de ce qui est autour de vous. Pour ce faire, vous n'avez qu'à double toucher, c'est-à-dire toucher l'écran deux fois rapidement. Essayez maintenant. Un petit double tap. Vous êtes près de 6760, rue des Bananiers. Vous êtes face à l'ouest. Erreur d'orientation rapportée 12 degrés. Erreur de localisation rapportée 3 mètres. Jusqu'à 300 mètres autour de vous, il y a 6 intersections, 2 magasins, un taxi, une banque, un hôpital, un dentiste, une école, un bar, une police, un métro, un musée, une station de bus, un supermarché et une bibliothèque. Dans le reste de ce tutoriel, vous allez essayer des modes de hauteur, radar et faisceau. Vous pourrez changer de mode en basculant le téléphone. Pour entrer dans le mode radar, vous devez tenir le téléphone verticalement, comme vous êtes en train de faire. Vous êtes en mode radar. Dans ce mode, autour joue un tic-tac continu et annonce les lieux autour de vous. Chaque lieu est d'abord annoncé par un nom de catégorie, qui peut être transport, nourriture, achat, divertissement, service ou une sous-catégorie de celle-ci. Par défaut, les lieux sont triés en balayage circulaire dans le sens horaire. Maintenant, touchez l'écran pour commencer le balayage. Que pensez-vous d'une telle application entièrement gratuite? J'attends vos commentaires pour vous répondre. Vraiment, cette application est extraordinaire. On continue. Métro, STSG, station La Montagne, ligne rouge. Hôpital. Hôpital Saint-Nicolas. Supermarché. Épicerie Govipro Incorporée. Intersection. Rue du Labrador et rue Sésame. Musée. Musée de la mer. École. En temps normal, le balayage radar pourrait continuer son tic-tac autour de vous indéfiniment, mais nous allons passer à la prochaine partie du tutoriel. Quand le balayage radar est arrêté, vous pouvez obtenir plus de détails sur les lieux précédemment lus. Glissez un doigt de droite à gauche pour entendre plus à propos du dernier titre complètement entendu. Musée. Musée de la mer. Devant, 6 mètres. Vous pourriez ensuite entendre les détails sur d'autres lieux précédemment entendus, ou parcourir cette liste dans le sens contraire, ou anticiper le prochain lieu. Nous allons maintenant passer à la démonstration du mode faisceau. Pour passer en mode faisceau, tenez le téléphone à plat devant vous. En mode faisceau, autour annonce des lieux qui sont devant vous, en supposant que vous pointez toujours le téléphone devant vous. Les lieux sont en ordre croissant de distance. Touchez l'écran maintenant pour essayer, mais ne tournez pas votre corps. C'est vraiment énormissime. Vraiment, dites-moi dans cette section commentaires si vous utilisez vous-même cette application qui est superbe. West. École. École nationale d'accordage de piano. Intersection. Rue du Labrador et rue des Bananiers. Musée. Musée de la mer. Police. Station de police 42. Si vous tournez sur vous-même pendant que le mode faisceau est en marche, vous entendrez un tic et la lecture recommencera, annonçant les lieux dans cette nouvelle direction. N'oubliez pas de toujours pointer le téléphone droit devant vous pendant que vous tournez, sinon la spatialisation se fera dans la mauvaise direction. Touchez l'écran maintenant pour réactiver le faisceau puis essayez de tourner. Allez, on va tourner sur nous-mêmes. West. École. École nationale d'accordage de piano. Intersection. Rue du Labrador et rue des Bananiers. Musée. Musée de la mer. Nord-Ouest. Banque. Banque coopérative du quartier. Dentiste. Clinique dentaire. Nord. Taxi. Taxi Roger. Ceci conclut le tutoriel de Autour, mais Autour a beaucoup plus de fonctionnalités, lesquelles sont décrites dans le manuel, qui se trouve dans le menu à propos. Pour aller dans le menu principal, vous pourrez glisser le doigt vers le haut, mais pas à partir du bas de l'écran. Puis utiliser les gestes standards de VoiceOver pour naviguer dans tous les menus. Nous espérons que vous trouvez que Autour est utile. Souvenez-vous que Autour est un projet de recherche et pas une application commercialement soutenue. Pour plus d'informations, le menu à propos contient un lien vers notre site web, et aussi un lien pour nous écrire un courriel. Nous attendons de vos nouvelles. Alors, lorsque je mets le téléphone... Mode faisceau. À plat... On se met en mode faisceau. Si je mets mon téléphone droit devant moi... Mode radar. Mode faisceau. Mode radar. Si je fais glisser un doigt du bas vers le haut... Quitter. Bouton de retour. Je rentre dans le menu. Menu principal. En tête. Réglage. Bouton. Je rentre dans les réglages. Double tap. Mode balayage. Radar. Bouton. Catégorie. Bouton. Source de données. Force car.
Changeur de mode. En 1. Bouton. Volume d'éthique de balayage. 100%. Change le volume d'éthique ou débit qui indique les angles ou les distances durant un balayage. Volume des autres sons. 100%. Change le volume des sons indiquant les changements de mode. Jouer des bips au lieu d'éthique. Off. Bouton. Distance maximum. 300 mètres. La distance maximum indique la distance la plus éloignée devant vous à laquelle les lieux seront lus. Sur les côtés, ce sera plus près. Mais la liste de lieux sera aussi limitée par les deux réglages qui suivent et par les catégories choisies ci-haut. Donc voilà, vous pouvez changer la distance lorsque vous aurez face à vous pour que l'application vous dicte ce que vous avez comme intersection devant vous. Maximum de lieux par balayage. 15. Ajustable. Donc balayer l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster la valeur. Cette application est extrêmement accessible au voice-over, c'est assez impressionnant. S'il n'y a plus que ce nombre de lieux dans ce rayon, les plus prioritaires seront choisis. Les critères utilisés sont déterminés par le réglage qui suit. Importance des évaluations, 70%. Ajuste. Si une recherche trouve trop de lieux, les lieux les moins prioritaires seront cachés. Langue des lieux. Langue du téléphone. Bouton. Débit de parole. 4. Ajuste. Vous pouvez ajuster le débit de la voix non voice-over pour qu'il soit égal à celui que vous avez choisi pour la voix voice-over, mais vous pouvez aussi choisir un autre débit. Ne s'applique. Unité de mesure. Mètre. Auto-démarrage du balayage. Off. Icon navigue en voice-over. Activez seulement si votre manette de jeu ne peut pas déjà déplacer le curseur de voice-over dans les menus. C'est plus lent que si voice-over le fait directement. Voilà, donc on peut en plus synchroniser une manette de jeu par rapport à cette application, c'est franchement super. En arrière. Réglage. À propos. Donc, on a à propos. Version de tour. Manuel d'instruction. Bouton. On a donc le manuel d'instruction. Sélectionné. Tutoriel. Termes et conditions. Aller au site web de Autour. On peut aller sur leur site web. Écrire un courriel à Autour. On peut leur écrire directement un courrier mail. Licence de l'IPD. Merci à OpenStreetMap. Franchement, le top. Merci aux agences de transport. Envoyez un log aux auteurs. Envoyez un log aux auteurs. On sort. À propos. Autre. Bouton. Et autre. Allez à TransitApp. Allez à Google Maps. On peut donc se servir de différentes applications comme Google Maps. Allez à Apple Plan. Ou Plan d'Apple. Allez à Apple Plan. Autre. Bouton. Mode radar. Mode faisceau. Donc ici, mode faisceau, j'appuie sur mon écran. Je tape une fois. Ouest. Intersection. Route du Mazoué rue Pierre Pénicaud. Intersection. Route du Mazoué rue Amédée Broussillon. Intersection. Rue Jacquard et rue Amédée Broussillon. Autre. Le petit plombier. Extraordinaire. Je tourne mon téléphone. Mode radar. Mode faisceau. Mode radar. Je lève mon téléphone, je suis en mode radar. J'appuie une fois. Intersection. Route du Mazoué rue Amédée Broussillon. Autre. Le petit plombier. Intersection. Rue Jacquard et rue Amédée Broussillon. Et maintenant, je peux tourner tout autour de moi pour savoir ce qui se passe. Rue Pierre Pénicaud et c'est rue pas Pierre génial ça? Mode faisceau. C'est franchement génial. Dites-moi ce que vous pensez de cette application. Testez-la. Faites-moi des petits retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent bénéficier de cette application entièrement gratuite Autour, une application qui peut aider les personnes en situation de handicap visuel à se déplacer et à savoir dans les meilleures conditions possibles où ils se trouvent. Merci à vous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous les amis, ciao ciao.